Salut tout le monde, let's go, non pas let's go, dit Joe. Ah, en fait, elle était mieux la musique du menu, on va la remettre. Ah, petite ambiance sympathique. Ça va tout le monde? Oh, Nina, elle est ravie. Je ne peux pas jouer à ça. Est-ce que... J'ai dit que j'étais pas prêt, Joe. Joe n'est pas prêt. Ça fait plaisir de te voir, Joe, ça fait longtemps. Est-ce que tu vas ramener Josette avec toi pour supporter Nina? La musique est horrible. Alors, est-ce que Gino est là? Est-ce que... On joue pas à la patte patrouille, non. Non, non, on joue pas à la patte patrouille du tout, là. On joue à la patte... trop de trouille. Hein? J'aurais préféré jouer à patte patrouille. Non, on va jouer à Madison. Alors... D'habitude quand on fait des... Je veux pas jouer à ça, je connais les jeux. On a joué à Resident Evil, on a joué à Outlast. Et là je connais pas ce jeu, et c'est Jinro, donc qui est pas encore là, qui m'a dit je ne jouerai pas à ce jeu tout seul. Et moi aussi. Et Nina du coup va jouer à ce jeu ce soir. J'espère que... T'inquiète Joe, y a pas de soucis, hein. tu fais ta vie et ça fait plaisir que tu sois parmi nous. Dès que le petit dort, elle arrive. Impeccable. De toute façon, on va attendre 2-3 minutes avant de lancer. Ça va Nina? Nina, très drôle, elle vient de me demander de lui faire une nuit calme. Une petite tisane de nuit calme. Tiens, je pense que la nuit va être hyper calme. C'est ma soupe. Il est très bien ce jeu, dit Orose. Bah écoute, moi je tu sais que j'adore ça. D'ailleurs, on en parlait hier avec... Avec qui on parlait de ça hier? Avec Arnaud. Hier, on s'est fait une raclette chez Arnaud. Et moi, je disais que j'adorais les jeux d'horreur. Moi, ça me fait marrer. Les films d'horreur me font plus flipper que les jeux d'horreur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas drôle. Je t'ai pas montré un film d'horreur un peu longtemps, très cool? Ah c'est si pas un film d'horreur. Les autres. Trop bon. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur. Non, c'est un film d'horreur. C'est un film de qualité. Et du coup, ça casse le côté horreur du film. Mais trop bien, ça. Salut le Blux TV. Mais salut Rion, j'espère que tu te régales avec le petit remix de Apple. Salut Ophélie, salut Nawax. Nawax qui est de retour. J'ai ma petite compote pour me réconforter, dit Joe. Compote? Ouais. Non mais Joe, il a peur des jeux d'horreur aussi. C'est pas une compote qui va te protéger, Joe. Ah my. Nawax, il est pas vraiment là. Merci, je me régale chaque matin. Alors, impeccable. Bon, on n'est pas nombreux, j'ai dit bonjour à tout le monde, du coup. Ça a été rapide. Salut Shax, s'il est encore dans le coin. Et puis, bah, je vous propose que je passe la manette à Nina et on lance le chronomètre pour voir combien de temps elle va tenir devant le jeu. Non, c'est pas gentil, j'ai vraiment pas envie de jouer à ça. Ça y est, elle pleure déjà. J'aime pas les jeux d'horreur. T'as pas un jeu d'horreur, mais t'as ma grosse tête. Paf. J'avais pas été assez rapide pour choper le Wii Transfert. Hein? Si jamais j'avais pas été... Tu parles de quoi exactement? Nina, elle a appuyé sur play, c'est parti quoi. Déterre. Non. Comme je l'appelle à la maison, détermine. Oh, oh my god. C'est parti. Oh, Rose mise 4 minutes. Il connaît le jeu en plus. Answer me that. Just answer me that. Your own family. Your own blood. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? What the fuck is happening to you? You've ruined our family. What am I gonna do now? What am I gonna do? Elle est en panique déjà. Elle fait des grimaces. Ça y est, c'est parti. Là, la nuit calme, c'est terminé. Je sais pas quelque chose.
Putain, je vais me faire des gros plans sur ton sourire. Ton sourire figé. On va faire de la réal aujourd'hui. On va bouger la caméra. Oh là, oh, c'est tech. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas, il faut que je pose une porte. Oh là, oh, c'est relou. T'es sûr que c'est là qu'il faut que t'ailles? Bah, je sais pas. J'ai pas très envie. Au pire, je peux te payer. Bon, elle arrive pas à ouvrir un placard, donc c'est mal barré. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi il y a un œil dessus. Là, ça veut dire qu'il faut que tu regardes dessus. Mais non, mais voilà. Et là. Cette boîte avec une étoile, elle est en panique de la boîte. Hein. Une boîte ornée d'un soleil. Si c'est un peu plus jour, ce sera plus sympa. Il fait très sombre. Oui, bah, c'est un jeu d'horreur, c'est pas fait farm. Hein. Bah, je sais pas, va voir. Pourquoi il se déplace comme si c'était un combat? Ah oui, le Blux, ben oui, il faut qu'on en reparle du coup. Je t'avoue que j'ai pas trop eu le temps là. Mais oui, j'avais pas capté quand tu parlais du transport. Mais laisse Nawak, du coup, je dois aller répondre sur Discord. Ah oui, il faut tirer les poignées, oh c'est chiant. Mais faut les tirer avec quoi? Bah ouais, en appuyant et en tirant. C'est hyper interactif, putain. Oh bah oui, mais j'arrive déjà pas à utiliser trois boutons. Ah, c'est lire. Oui, ça. C'est espagnol. Comment ça, c'est mon pays? C'est l'Espagne. Ouais, enfin, le mec s'appelle Maxwell. C'est la casa des Maxwell. Ton cousin Roméo. Le mec s'appelle Roméo Maxwell. Ouais. Et donc, le mec est mort. Putain, ils sont pas allés chercher loin leur blague. Ok. Il y a un énorme souffle. Mais le souffle il est dans le jeu là, j'ai l'impression que c'est la télé mec. I have to find the handle. C'est pas nous hein. En fait non, c'est moi. J'étais comme ça. Non, il y a le truc de la télé. Bon. Nina, t'as cru que c'était le jeu du... Bah je sais pas, j'ai appuyé du poinçonneur de ticket. I have to find the handle. Je dois trouver la poignée. Mais vas-y, mais pousse avec ton tu pied. N'as pas la poignée de cet objet encore. Ah, je pensais qu'on pouvait ouvrir avec la boîte. Oh putain. Ah. Oh wow. Tu peux faire de la lumière. Vas-y, pivote encore la cloche. Pivote. Pour qu'on voit le... autre chose. Ok. Moi j'aime pas ça. J'avoue, je suis noir de ouf. Faudra que tu redises ça quand il sera là. Et si vous avez envie de vous faire tracher par Nina, n'hésitez pas à proposer des jeux dans le même style. Alors là, il faut que tu te mettes sur l'œil. Tu vois l'œil là? J'appuie là. Encore une. Vas-y, jette la boîte! Non mais tu vas pas ouvrir un truc avec une boîte. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Avance, pas, moi. Avance. Mais je peux pas avancer. Bah alors c'est qu'il n'y a rien à faire ici. Oh. Putain, mais je savais pas que c'était un truc d'énigme. Et si t'allais à la porte d'entrée? Non, je vais pas le voir, c'est un psychopathe. Mais va à la porte d'entrée. Non. Il est parti en plus. Non, il est pas parti, mais attends, derrière. Il bouge, il fait chaque. Oh, mais sans le... Bah non, mais bouge, genre il veut faire peur, mais bon. Regarde, il y a son ombre encore. Où tu vois une ombre? Sous la porte, ah, tu vois. Essaye que... d'aller ouvrir. Pourquoi j'irai ouvrir? Il veut ma mort. J'ai tué sa femme. Bien placé.
T'es sûr que t'appuies sur le bon truc là à chaque fois là? Tu vois la manette. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi le droit? Sympa, les photos de balance. Ok. Je sais pas. Viens voir. Quoi ça? Ah bah toi aussi, tu sais pas appuyer sur les boutons. Ah mais genre, en fait, rond. Tu vois, ça ouvre toujours ton. En fait, triangle, ça ouvre toujours ton inventaire. Donc c'est que là, il y a un bouton à trouver. Ben non, mais j'appuie sur le bon bouton parce que quand j'étais devant la télé et qu'il y avait l'œil, j'ai réussi à l'allumer. Ah voilà, la... tu vois. Oh, c'est la poignée. Tiens, c'est X, poignée. Le bouton d'action. Ah d'accord, ok. Et comment on fait pour récupérer? Je sais pas. Tu l'as pas pris? Non. Et pourquoi tu l'as pas pris? Bah, c'est ta partie, c'est toi qui joues. Salut Haro. Après j'ai pas très envie de mettre la poignée, j'aime pas les trappes mais comme si, ça. Vas-y. Allez, ouvre-moi ça. Mais si. Mais si. T'as l'air un pivert quand tu joues. Tu fais des mouvements de tête. Ah, tu vas pouvoir péter les lattes derrière toi. Tourner. Qu'est-ce que tu peux tourner? Essaye de tourner. Ah d'accord. Péter les jambes du mec qui a pété de moi. Moi j'irais plutôt péter les trucs de passage. Non, j'ai pas très envie. Ça là. Non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Ah, c'est pas très commode. Tu préfères? Bah je préfère rien. Vas-y, pète-moi ça. On met toi bien sur l'œil, vas-y. Ah, il y a Sabine qui est là. Salut Sabine. Pour donner un petit peu de force. Tiens, vas-y, faut que tu pètes ça aussi.